On repose que ça me baiser. S'il vous plaît, madame, si vous avez quelqu'un qui peut prendre le colis et vous poster ça, il n'y a pas de problème. Vous envoyez la personne. Si vous trouvez un moyen, vous faites cela et on dépose juste là-bas. OK? Ce n'est pas évident pour poster là-bas. Bonjour, bonjour. J'ai un message qu'on m'a demandé de vous donner ce matin. Je vais juste passer le message. Beaucoup d'entre vous, vous avez été sous attaque. Et vous sentez que vous revenez de loin. Que je vais vous parler. Après une attaque, il y a toujours une victoire. Donc je mets la lumière. Je demande la présence de vos ancêtres. Certains d'entre vous, c'est dans cette dimension et maintenant que vous allez accomplir ce pourquoi vous êtes là. Vous savez, avant que je ne sois connue sur les réseaux sociaux, j'ai traversé beaucoup d'étapes. Il y a eu des périodes où je croyais que j'allais devenir folle. Donc je suis habituée aux nuits noires de l'âme. C'est vrai qu'elles sont toujours un peu plus violentes les unes après les autres. Mais je finis par m'y habituer. Ce que vous êtes appelé à faire demande un changement radical. Souvent, les personnes ne vous comprendront pas. Et vous verrez qu'il y aura des moments où vous aurez l'impression d'être tellement aligné.
Je répète, il y aura des moments où vous aurez l'impression d'être tellement aligné. Et ça va vibrer à travers votre corps. Les vibrations vont être ressenties aussi fortement que dans votre corps. De la même façon que quand vous tombez amoureux, vous voyez un homme et vous vibrez. Vous allez commencer à sentir quand vous êtes aligné. Vous saurez quand vous êtes aligné. Vous allez commencer à sentir quand vous êtes sous attaque. Et beaucoup d'entre vous, vous ne voudrez plus vivre le superficiel. La seule envie que vous aurez, ce sera de rentrer et que tout dans votre environnement, toutes vos occupations quotidiennes tournent autour du spirituel. C'est possible. Donc, il y a de cela quelques jours, on vous a lancé une flèche. Je viens vous rappeler que les flèches ne sont pas... Les flèches ne peuvent pas vous faire de mal. Mais les flèches arrivent à vous dans le but de vous éveiller, de vous réveiller. Vous avez déjà remarqué, supposons que tu vois un animal qui est couché, il est bien. Et tu verses de l'eau sur lui. Ou bien une étincelle de feu. Le feu, hein, tu vois, le feu le touche. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va sauter. Les adversités que vous avez rencontrées, les attaques sans que vous n'ayez cherché quelqu'un, on vous cherche. Et ces attaques ont été permises d'entrer dans votre énergie pour un but. Vous étiez endormi. Il y a de cela deux ans, tu n'étais pas aussi... Tu es endormi là. Tu as commencé à dormir, chérie. Et il faut qu'on te réveille. Tu es rentré dans la paresse. Tu dois savoir comprendre qu'il y a toujours des hauts et des bas. Tu ne peux pas être constamment comme ça. Et tu espères que soudainement, tu vas monter. Il y aura toujours une étape où tu vas tester ton niveau, ton nouveau niveau, on va dire comme ça. Beaucoup d'entre vous, si vous vous concentrez, vous allez entendre à quel niveau vous êtes. On va vous dire à quel niveau vous êtes. Vos oreilles sont en train de s'ouvrir. Vous avez besoin de la solitude que vous êtes en train d'avoir actuellement. Vous êtes en train d'apprendre à vous organiser de façon indépendante. Vous êtes en train d'apprendre l'indépendance affective, l'indépendance émotionnelle, l'indépendance financière. Vous apprenez à ne plus dépendre de vos clients, de vos patrons. Il y a même des pages ici là que vous ne pouviez pas faire sans ces personnes, sans ces vidéos là. Vous êtes en train de prendre votre indépendance. Beaucoup d'entre vous, les réseaux sociaux seront comme un recueil. C'est parce que vous allez trouver ici que vous allez guérir progressivement.
Et votre protection aussi va beaucoup s'activer. Attendez, j'ai un des maçons qui a ouvert, qui a mis sa radio là-bas dehors. Je dois aller arrêter ça. Je dois aller arrêter ça. Vous allez apprendre à être à l'aise avec vous-même. Vous allez apprendre à vous aimer. Vous allez apprendre à faire quelque chose. Personne ne vient. Et tu dois savoir que si personne ne vient, ce n'est pas parce que ta chose ne marche pas. C'est de test. Tu es en train de passer le test. Vous serez tous testés. Même si tu voles la chose de quelqu'un, tu voles les clients de quelqu'un, tu seras testé. Ce temps que vous allez passer seul va vous amener à changer de voie. Et vous aurez confiance et foi en vous. Vous aurez de plus en plus confiance en ce que vous portez. Et cette confiance va vous donner des ailes. Va vous montrer votre voie. Vos dons de voyance vont être de plus en plus précis. Vous avez essayé de vous comprendre et de vous expliquer aux gens, mais vous ne pouvez pas vous expliquer. Parce que vous êtes quelque chose de différent, de nouveau, très combattu. Si vous saviez le nombre de personnes qui vous combattent dans le spirituel, vous seriez choqué. Et ils tirent leur réjouissance. Ils ne sont pas là. Ah bon, hein? Ok. Et les femmes, là, il n'y en avait pas en route? Non, non. Ok. Je les ai vues en aller. Alors, apparemment, c'est vite sorti. D'accord. Si vous saviez le nombre de personnes. Agnelle, tu as organisé la conférence. Organise encore. Tu es vu. Le truc, c'est que quand on vous fait faire des visualisations, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, vous vous dites,
Si j'ai 5000 personnes qui viennent, ça veut dire que ça a marché. Le chemin des personnes qui ont un impact spirituel, tu ne peux pas aller avec la masse. Sinon, tu vas les empêcher de faire ce qu'ils veulent faire dans ta vie. Beaucoup d'entre vous, vous avez commencé des business qui étaient censés avoir de l'impact. Mais vous avez laissé tomber. La bataille est réelle. Sache que dès que tu te pointes, tu veux commencer à faire, on dit, hé, toi, elle s'est rendue compte qu'elle avait les dons. Elle s'est rendue compte qu'elle pouvait faire dans le domaine nutritionnel. Waouh. Je sais que tu penses que tu n'es personne, mais il y a des entités qui portent ton nom, qui se lèvent chaque matin pour venir te bloquer. Je vous ai dit une fois et cela que rien ne peut combattre la persévérance. La persévérance, c'est l'arme la plus puissante dans le spirituel. Persévérance. Tu as une idée, tu as une vision. Tant que tu ne vois pas la vision là, tu n'abandonnes pas. Tant que tu ne vois pas, tu ne lâches pas. Il y a des personnes qui ont essayé 20 ans. Tu as fait 2 mois, tu te fatigues? Oui, ça fait... J'ai ouvert pendant 2 mois. Personne n'est venu. Quand j'ai commencé ce que je fais, pendant les années où je faisais, personne ne venait. Je faisais une sorte de bataille mentale avec mes guides. Et il y a eu un jour où je me suis décidée totalement. Première chose, je ne suis pas ici pour imiter quelqu'un. Je ne ressemble pas à quelqu'un que tu as déjà vu. Je ne fais pas comme... Même si vous essayez dans votre tête de dire que bon, je peux la classer ici, c'est le genre de... I am not... Deuxième chose, s'ils m'ont appelé, ils vont me payer. If they call me, they're gonna pay me. Parfois, pour rester toi-même, tu ne sais même pas qui tu es. Tellement tu vis sous l'ombre d'autres personnes. Hier dans le direct, je vous ai demandé, qu'est-ce que tu veux? Veux. Beaucoup d'entre vous étaient là. Mais c'est une question que je me pose rarement. Qu'est-ce que tu veux? Tu ne sais pas. C'est pour ça que très tôt, j'ai appris à mes enfants à choisir. Huguette, ce n'est pas le direct des plaintes. Si tu veux te plaindre, tant mieux pour toi. Je te bénis, je bénis tes plaintes. Qu'est-ce que tu veux faire, ma fille? Tu choisis quoi? Quand elle choisit, qu'elle sache que si c'est bien devant, si ce n'est pas bien devant, c'est toi qui vas porter le fardeau de tes choix. Beaucoup de mamans de 35, 45 ans, vous ne savez pas ce que vous voulez. Aujourd'hui, si l'homme-là te lâche, si l'homme-là n'est plus dans ta vie, tu es perdu. Tu vas demander, je fais quoi? Tu penses que quoi? Tu en penses quoi? Put yourself out there.
Mettez-vous là dehors. Tu as une idée. Si tu n'agis pas sur ton idée, tu ne sauras pas. Je peux te décourager pour une idée parce que je ne vois pas ça pour toi, mais toi, tu es convaincu de ton idée. Tu peux même commencer, ça ne marche pas au début. Mais après, ça donne. Emilia, merci. Le jour où tu vas me voir physiquement, priez Dieu pour me voir physiquement un jour. Que Dieu vous accorde la grâce de me voir physiquement. La troisième chose, si je dois faire ce que je fais pour une personne, je le ferai. Si j'ai une vue, une personne connectée, je le ferai. Il y a des jours, je ne sais pas ce qu'ils font sur ma page, c'est comme si ma vidéo n'arrive pas devant les gens. Ça ne me dérange pas. Ça n'enlève pas la vérité de mon message. N'attendez pas la masse ou les gens pour confirmer qui vous êtes. Quand j'avais mis les trois choses là dans ma tête, je reste moi. Ceux qui m'ont envoyé vont me récompenser. Et si je ferais ceci pour une seule personne, je le ferai. Voilà mes armes que j'avais et que j'ai toujours. Ce qui fait que quand il faut changer de saison, même si quelqu'un vient et m'imite, vous ne pouvez que m'imiter. Parce que je suis devant de partir. J'innove toujours. Ça, c'est quand tu as confiance en ce que tu portes en toi. Il y a des personnes qui me suivent et qui me despise. What's despise in French? How do you say despise? Méprise. Il y a des personnes qui me regardent avec du mépris. Mais parmi ces personnes, il y en a que mes messages sont la vie pour eux, pour cette saison de leur vie. Vous pensez que je vais me concentrer sur qui? Vous pensez que je vais me concentrer sur qui? Quand ça a commencé, les mépriseurs n'étaient pas là. Vous n'étiez pas là quand on m'a donné mon appel. You weren't there. So how can I go on what you think of me? How can I let my mind play on me? I can't let that happen. Si tout le monde m'aimait, ça ne serait pas... Je pense que je serais dégoûtée. En fait, j'aime la haine des gens. Parfois, je provoque même. Mais parfois, tu vois, un peu comme quand une fille avec son gars, tout va bien. Elle dit, I don't like peace, I want problem. Oui. Parce que je me suis rendu compte que, de façon ultime, à l'intérieur, les gens ont quelque chose en eux. Sur 100 personnes qui viennent devant toi. Supposons 100 personnes regardent tes vidéos. Tombent sur toi. Quarante ne t'aiment pas. C'est du no, no for me. Sur les 60 là, est-ce que tu sais qu'il y en a au moins 45 qui ne t'aiment pas et qui vont faire semblant? Fais voir Erika, tu te plains, tu pleures, je te bloque. Si tu as ton mari spirituel, tu viens m'en parler, pourquoi? Je n'aime pas les plaintes.
Je suis dégoûtée par les plaintes. Tu crois que je n'ai pas aussi des problèmes? Vous venez en ligne, c'est comme ça que les gens vous arnaquent. Parce que vous êtes désespérés. Vous êtes désespérés. Ne vous dérangez pas, ils vont vous contacter, ils vont vous arnaquer. Bien même. Vous mangez votre argent. J'ai des arnaqueurs sur ma page. Ils prennent ma photo et vous écrivent que coucou. Ma coucou. Je n'écris jamais comme ça. Moi, ils t'insultent. Je dis, tu veux quoi? Que ma coucou, ça va aller. Tu envoies l'argent quand? J'ai vu un truc sur toi qu'il faut que je nettoie. Ma coucou. Ma bébé. Ma cœur. Mof, lève-toi. Lève-toi, coucou. Ma chérie. Lève-toi, mof. Tu pleures plus que qui? Tu essaies d'aider quelqu'un et tenter de se plaindre. Tu ne peux pas comprendre mes problèmes. Mes problèmes sont vraiment... Sexy infirmière, ne me pose pas de questions. Fais ce que tu veux. Voilà, on t'a écrit jusqu'à te menacer, non? Ils ne peuvent vous rien vous faire. Si vous écoutez mes vidéos, vous ne savez pas qui vous êtes. Tant mieux pour vous. Oui, ils envoient avec le poivre. Ils vont vous envoyer la demande. Mes vrais gens qui me suivent, vous savez que l'affaire de faiblesse, là, je ne suis pas dedans. Connaissez ce que vous portez. Connaissez qui vous êtes. Tu dis que quelle idée d'anarcher sur le dos d'un maître spirituel. Vous savez, parfois tu regardes une famille comme ça. Tu vois, aucun enfant n'a réussi. Tu essaies de les aider. Ça ne marche pas. Tu le prends, tu l'amènes dans l'ambassade. Il arrive, on le chasse. Ça, c'est les gens que leur père, leur mère, leur grand-père... Ce sont des personnes comme ça qui ont fait ce genre de choses. Arnaquer des gens. Voler. Et ça passe se répandre sur leurs enfants. D'abord même sur leur propre vie. Il y a des gens que vous ne pouvez pas aider. Voilà, il t'a menacé. Et tu as dit que tu ne peux rien me faire, il t'a bloqué. Reportez les profils des gens là. Je dis souvent, vous ne prenez pas, vous ne faites pas. Le truc qui m'énerve souvent avec les Africains, c'est que vous ne connaissez pas supporter les gens. Vous voyez un faux profil qui vous écrit. Si je crois que c'est beaucoup de personnes qui reportent ce profil là, Facebook va faire quelque chose. Parce qu'il faut avouer quand même que les réseaux permettent beaucoup de choses. Ces personnes, je les ai reportées comme faux profils. Je pense que s'ils se penchaient dessus pour regarder, ils verraient que c'est un usurpateur d'identité. Mais bon, c'est pas trop une préoccupation pour moi. Il y a souvent des personnes que tu aides n'importe comment, la vie de la personne n'avance pas. Première raison, la personne a un cœur qui est noir. La personne a un cœur noir. Oui. Donc, la personne avec toi tous les jours. Tu sors, tu marches, tu appelles les gens. Ouais, j'ai ma soeur qui a tel problème. Vous pouvez l'aider. Tu mets tes ressources à la disposition de cette personne pour l'aider. Et dans le cœur de la personne. Parce que quand ton cœur est pur, même si celui qui a ta bénédiction ne te donne pas, même le passant va écouter. Même le passant va s'arrêter, il va t'aider. L'inconnu, qu'il sort de nulle part, il t'aide à prépare.
Quand tu le cherches même pour le remercier, tu ne le trouves pas. Dieu connaît ces gens. J'ai fini par comprendre que tu peux être avec quelqu'un qui fait semblant. Oui, je suis aussi choisie. J'ai aussi les pouvoirs. Mais toi, tu connais que Dieu t'aime. Je sais que Dieu m'aime. Je ne dis pas seulement pour dire. Dieu peut me dire que lève-toi, tu pars aider quelqu'un là-bas. Je me lève, je pars. Est-ce qu'il faut seulement dire que Dieu m'aime, Dieu m'aime? Dieu connaît les personnes qui disent que non, elle là, il faut qu'elle reste encore un peu. Elle doit rester, on ne peut pas l'attaquer parce qu'il y a au moins 50 personnes par mois qui dépendent d'elle. Vous devez connaître en vous que comme je suis la prunelle des yeux de Dieu. Dans le spirituel, quelqu'un te touche comme ça, là, Dieu deal avec lui. Tu es dans ton pays de rêve, hein, super. Que tu obtiennes maintenant ta vie de rêve. Il y a des personnes qui tirent avantage de la proximité qu'ils ont avec vous parfois. Et ils sont en train de fonctionner sur votre onction. Vous ne le savez même pas. Ce n'est pas leur onction. C'est pour vous. Et ce n'est pas un truc où tu discutes avec quelqu'un. Je ne vais pas vous convaincre ou bien de crâner devant vous ou quoi que ce soit. C'est une conviction que j'ai à l'intérieur de moi. Et on ne dit pas seulement, on vit la chose. Parfois, tu dois rester comme ça, là, tu comptes ta liste de gratitude, tu te dis, waouh! Hé Dieu! Comment tu peux faire ça? Dieu! Donc, je ne manque pas. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. À cause de son nom, je vivrai. La vie va commencer à devenir sucrée. Tu n'as pas besoin d'une femme spirituelle, elle va venir. Voyez-vous comme quelqu'un qui a tout ce dont il a besoin maintenant. I have everything I need. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Parfois, avec votre croyance, vous pouvez détruire beaucoup de démons. Mais vous passez le temps à dire des paroles négatives. Oh, mon mari de nuit ne me laisse pas. Je vois quelqu'un faire un message ce matin au secrétaire. Oui, j'étais venue, ça fait 2 ans pour qu'on me travaille sur moi chez vous. Et puis votre collaborateur a dit qu'il y a un serpent dans mon ventre. Partout où je pars, on me dit que le serpent là m'empêche de... La croyance de cette personne est tellement forte. Croyez que vous avez tout ce dont vous avez besoin. Exactement quand vous en avez besoin. Et vous verrez que des montagnes seront créées quand vous en avez besoin. Des vallées apparaîtront quand vous en aurez besoin. Vous allez commencer à contrôler les choses. La jalousie ne vous atteindra plus.
Vous savez qu'il y a des gens qui sont jaloux de vous. Quelqu'un voit que tu es bien là. Tu ne lui as rien demandé. Il faut que la personne vienne avec une mauvaise parole. Ça passe sur toi comme le canard. Tu dis même pas mal. Parfois, les gens sont pauvres et aigris. Merci, Lago. Sans pression. Pauvres et aigris. Et ils doivent venir vous mettre la pression. Mon visage a besoin d'hydratation. Ils sont pauvres. Ils sont aigris. Ils ont besoin de venir vous passer cela. Vous savez, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. J'observe beaucoup les personnes qui ont toujours de l'argent qui coule. Ces personnes ne retiennent rien dans leur cœur. Elles sont cool. Ah, je me rappelle du message qu'on m'a donné pour vous ce matin. Ah, attendez. J'étais en pleine méditation. Et puis, bam, j'ai noté, mais après, je ne sais pas comment avoir accès au presse-papier de iPhone. Donc, j'ai noté et puis ça a disparu. Donc, je n'ai pas pu avoir ça. On va dire comment. J'ai noté et ça a disparu. Voilà. Donc, voilà votre nouvelle. Tu vas à rajeunir. Observe-toi bien les prochains jours. Tu vas à rajeunir. Ton pouvoir d'attraction de cette bataille spirituelle que tu as vaincue. Tu as été sous attaque et tes guides ont fait le nécessaire. J'allais carrément oublier ce message-ci. Et dans cette saison, tu vas rajeunir. C'est comme s'il y a une peau qui est quittée de ton corps. Et cette peau, elle est tombée. Beaucoup d'entre vous apprêtez-vous à être dragués par de jeunes hommes. Je donne le message qu'on m'a donné, vous donner, ok? Beaucoup de jeunes chocolats. Ok. Tu vas sentir aussi une légèreté au niveau de la poitrine. Avant, tu étais très... tu te sentais très lourde. Et parfois, ça... Tu sentais ici là, une pression là. Donc, ça va disparaître. Tu vas te lever, tu vas dire, ah, il faut que j'écrive maintenant mon livre. Tu vas commencer à penser aux choses importantes que tu devais faire depuis, mais que tu n'arrivais pas. Bonjour. Tu vas commencer à penser et à faire. Parce qu'avant, tu pensais, tu planifiais, mais tu ne faisais pas. Beaucoup d'entre vous aussi, vous aurez du sommeil, beauty sleep. You're going to have your beauty sleep. Ton sommeil de beauté. Ça, ce sont ces pour tes prochains jours. Et tu vas commencer à... Pour l'attraction, je vois quelqu'un ici carrément que tu as un ex qui va revenir. Mais quand il va revenir, ce sera seulement pour que tu te dises que... Oh, je mangeais quoi comme ça avant? Mais c'est du pain rassis. Excusez-moi. Tu vas te rendre compte que c'est du pain rassis, en fait. Ah, bonjour, Samy. Comment tu vas?
Tu as dit, mais je mangeais quel genre de pain comme ça avant? Which kind of bread was I was eating like this? Hmm? C'est ça. Carl, bonjour. Beaucoup d'ex vont venir et c'est juste pour que tu te rendes compte que tu as upgrade. Je vois même quelqu'un qui va entrer en relation avec son ex. Ça ne va même pas durer 2 jours. Même pas. Tu vas te dire, non, I'm not going back there. J'ai évolué, je ne rentrerai pas là-bas. Parce que ton énergie a trop accéléré. You're so much ahead. Tu es tellement avancé. Je vois aussi quelqu'un qui va finalement se faire son gros cadeau qu'elle voulait. Peut-être tu vas t'acheter ta voiture. Ta maison. Ou tu vas aménager dans le quartier de riche que tu voulais toujours. Carl, tu me dis que je suis une mamie Wata. Je le dis tous les jours ici. Je ne sais pas, c'est une information que tu me donnes ou bien? Hmm? Je le sais, ceux qui me suivent le savent. Tu m'informes ou bien? Appelle Monsieur Abbé Solo. Appelle Monsieur Abbé Solo. Je crois qu'on t'a dit que tu devais nous informer avant de venir, non ma chérie. Appelle-le, il va voir si tu vois s'il va venir. Quand vous venez venir chercher les produits le dimanche à Bafoussam, à Makepe, je vous en prie. Informez-nous d'abord. Ok. Ton ex t'appelle, il vit avec une femme. C'est pas pour rien qu'on a créé le mot ex. C'est un ex. Hmm? Ex, ça veut dire que c'est de l'histoire ancienne, non, chérie? Tu crois que le téléphone a le bouton bloqué, pourquoi? Show you my worth. Give me something I need faith. Faith to believe you. For me to come back, it means that I'm out of sin. Je continue mon message. Tu vas commencer à te faire plaisir. Et avant, tu dirigeais ton énergie pour le bien de ton ex. Avant, tu dirigeais ton énergie pour le bien d'autres personnes. Mais là, à la fin de la journée, tu seras pleine. Carl, je ne sais pas ce que tu veux. Mais là, tu vas commencer à être suffisante de toi-même. Tu pourras recevoir les instructions. Tu pourras enfin participer
à l'équilibre planétaire. Juste en passant, ne vous laissez pas distraire. Tout ce qu'on dit, les jeux qui sont en train de se passer, tout ça. Je vous ai parlé l'autre jour, j'ai enseigné, ça fait 3 jours, sur les distractions planétaires. Tout ça, c'est pour prendre votre énergie de manifestation. Je me demande juste que tous les Camerounais qui sont arrivés à Abidjan, là, vous dormez où? Le logement à Abidjan, là, c'est pas évident à trouver. Attendez, je bloque quelqu'un qui vient m'embêter ici, là. Vous dormez où? J'ai la place chez moi. Et je suis même pas à Abidjan. Abidjan peut t'humilier, hein? Abidjan peut t'humilier. Aïe. Tu apprécies la solitude. Tu as Abidjan, tu n'as pas l'argent, tu vas lire, hein? C'est pas comme le Cameroun qui avait 500, tu vas te débrouiller là. Abidjan. Est-ce que tu peux reconnaître une autre sirène? Il y a les bonnes sirènes, il y a les mauvaises, comme dans toute chose. Si tu as fait le rêve où on t'a coupé les cheveux, ce n'est pas un bon rêve. Il faut travailler sur toi. Mon numéro est dans ma bio pour ceux qui veulent que je travaille sur eux. Demain, on fera le couronnement à 18h. Si on te dit que tu es une sirène et tu n'es pas encore arrivé au moment où tu es censé savoir, ça ne te servira pas, ça va te faire peur. C'est quelque chose, c'est un processus. Ok? Vous me demandez si j'ai fait des voyages astro. C'est très privé. Pourquoi me demander ça? C'est privé. Je n'interprète pas les rêves. Bon, je continue. Si on te dit que tu es une sirène, puisque tu ne connais pas encore les détails de ce que c'est, et on a trop vilipendé, mal parlé des femmes de l'eau en ligne, tu vas avoir peur, tu vas rejeter. Et tu peux avoir, c'est pas bien. Donc même les personnes qui voient là, si vous voyez ça chez quelqu'un, le but c'est pas de faire peur à la personne. Oh, tu es une femme de l'eau, tu es... Non, ça va faire peur à la personne. You're gonna scare the person, that's true. C'est pas la blague. Beaucoup d'entre vous qui êtes sirènes, étant donné que les réseaux sociaux sont en train de changer et que toutes ces connaissances qui étaient cachées avant sont maintenant en ligne, vous êtes en train de comprendre. Beaucoup de personnes aussi, vous vous faites initier à travers les rituels que vous prenez en ligne. Donc, soyez prudents. Soyez prudent. Vous partez, vous voyez les choses, vous partez faire, vous partez, vous voyez les choses. Toute chose que vous faites, ça ouvre un portail.
Et le spirituel, ce n'est pas genre, ok, comme je suis une sirène, dis-moi comment m'activer. Dès que tu me dis, je fais, et puis, bam, je suis activée. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est un processus. Parce que tu sois, tu l'es déjà avant. Et beaucoup d'entre vous, on vous initie même dans les rêves. Voilà par exemple Fatih. Tu es en train de prendre les explications de quelqu'un ici. Tu ne connais pas la personne. Tu ne connais pas les connaissances de la personne, si c'est vraiment ça. Ce qui fait que peu importe ce que la personne écrit, tu vas prendre ça comme parole d'évangile. Faites attention. Ce n'est pas sur ma page que vous allez dire que vous avez pris un truc comme ça. Je dis non. Je vous le dis encore, si tu as des dons, si tu as des pouvoirs, si tu as n'importe quoi, ça va s'ouvrir. Ça va s'ouvrir. It's gonna open up. Ce n'est pas soudainement. Donc, demandez toujours que la bonne personne vous soit donnée au bon moment. Il y en a, beaucoup d'entre vous, vous êtes auto-initiés. Et faites des choses parce que vous sentez que vous devez les faire. Dame Sucrée, si tu ne comprends pas ta vie, pardon, quitte de mon direct. Je ne suis pas ici pour parler de toi. Je n'ai pas dit que le direct, c'est pour expliquer la vie de Dame Sucrée. Faites des choses parce que vous voulez, vous sentez que vous voulez les faire. Beaucoup de personnes qui sont auto-initiées, certains rites, on vous les montre dans le rêve. Et même vos rêves, ils vous permettent de vous en souvenir quand le moment arrive. Comprenez que cette vie n'est pas du hasard. Donc avant d'aller vous jeter dans les trucs bizarres, dans le spirituel, toute personne qui vous dit que viens ici, je fais ça comme ça là, 3 jours et c'est bon, c'est fini, tu pourras run. Donc dans le spirituel, tu dois être patient. Deuxièmement, tu vas t'assurer que tu parles en haut. Tu fais confiance en haut, pas à eux. Vous avez beaucoup de personnes qui vous forment, ils sont là. Certaines personnes qui vous forment, vous arrivez, ils voient votre puissance est plus grande que la leur. Ils ne peuvent pas vous dire. Certains même, ils vous arrivez, ils sentent que vous connaissez même plus qu'eux. Mais comme ils ont déjà un local, ils ont déjà une renommée, ils sont plus âgés que vous. Vous courez, que tu, on s'en va là-bas. Tu t'assois, on te bloque. Excusez-moi, je suis très ironique quand je parle. Et vous venez tomber sur ma vidéo. Bien évidemment que c'est depuis ta naissance. Rien n'est nouveau sur le soleil. Hein. La Bible le dit. Nothing is new under the sun. Rien n'est nouveau sous le soleil. Si vous êtes vigilant, si vous passez beaucoup de temps à écouter et à méditer, avant que quelqu'un ne vous enseigne physiquement, ce sera juste un rappel de ce qu'on vous a dit, soit dans le rêve, soit dans vos voyages. Assez, je vais te bloquer. Je n'aime pas ton émoji des pleurs. On ne pleure pas sur ma page. Même en pensée, on ne pleure pas ici. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes juste des Decepticons. Vous n'êtes pas prêts à recevoir.
vous ne pouvez pas respecter la hiérarchie spirituelle. Jean-Baptiste a compris que c'était lui qui devait initier Jésus. Faire le courroux, appelez ça ce que vous voulez. C'est lui qui a lavé Jésus avec la poule blanche. Mais Jésus qui venait après lui était plus grand. Jésus était plus grand que lui. Les deux sentaient et savaient que tu es censé faire dans ma vie. Mais il y avait un respect de hiérarchie. Jésus a respecté celui qui est venu avant lui, malgré le fait qu'il était plus grand que lui. Beaucoup d'entre vous, les spirituels, vous êtes très orgueilleux. I'm just saying. Très orgueilleux. Vous ne connaissez pas respecter. Quelqu'un t'a aidé quand tu étais peut-être au niveau 2. Aujourd'hui, tu es au niveau 25. Tu le méprises. Pourquoi tu le méprises? Pourquoi? Tu n'as pas besoin de rabaisser quelqu'un pour être élevé. Il n'y a pas de manque. Dans le spirituel, il n'y a pas de manque. Je vous prends toujours l'exemple de l'air qu'on respire. Essayez d'inspirer là où vous êtes là. On va voir si l'air va finir sur la terre. Inspirons tous ensemble. Oh oh, il y a encore de l'air. C'est pas fini. Personne ne peut prendre ce qui est à toi. Et croyez-moi, à tout moment, peu importe le nombre de pouvoirs que tu as découvert de toi, il y a encore 90% caché en toi. Parfois, ils te révèlent une partie, ils attendent pour voir comment tu vas te comporter. Après 2 ans, on te révèle encore une dimension. Après 5 ans, on te révèle encore une dimension. Tu comprends que ce n'est même pas moi qui dirige les choses. Ce sont eux. Justement dans un jeu. Les gens qui viennent à moi. Les gens qui viennent à moi. Ce n'est même pas moi qui les appelle. Vous pensez que vous êtes dans mon direct par erreur, par hasard? Non, sinon vous seriez parti. Elle dit, ah, dis-moi quoi, je ne comprends pas moi. Parce que ce n'est pas ta saison. La foi et la vérité sont les plus grandes forces, peu importe le monde dans lequel on est. Que ce soit le spirituel, sous-marin, terrestre, céleste, souterrain, peu importe l'élément dans lequel on se trouve. J'ajoute à ça la pureté, un petit brin de pureté. Purity. C'est une arme, it's a weapon. Vous devez aussi comprendre que il y aura des personnes qui sont sur le chemin pour vous décourager. Donc les personnes qui vous ont causé des déceptions ne font que leur travail. Elles ne font que leur travail. Woman of God, je ne pense pas que tu es censé être sur ma page. Je pense que tu devrais enseigner toi-même. Tu es en train de faire comme si tu veux te convaincre à travers moi. Eric, si tu as une question, tu la poses par écrit. Je ne fais pas monter quelqu'un.
Pourquoi tu veux que ton frère arrête de boire? Il veut boire. Ne forcez pas les choses sur quelqu'un. Je n'interprète pas les rêves. Oui, madame. J'ai donné ton numéro à deux femmes qui voulaient acheter des produits aujourd'hui. For me to come out in the night, I'm not the same. Woman of God, quitte ma page. Gentiment. Ok. La dépendance affective, c'est parce que tu n'as pas passé assez de temps avec toi-même. Et la dépendance affective, c'est aussi des choses que tu n'as pas guéries. Ça vient généralement de ton enfance. Ce n'est pas quelque chose dont on guérit. On s'aime plus, on s'écoute plus. Parce que quand tu dépends affectivement de quelqu'un, tu as tendance à tout faire pour plaire à la personne. Donc, généralement, de faire ce que la personne attend de toi. Acheter des choses pour plaire à la personne. Tu vois, non. La dépendance affective ne rejette pas cela. Accepte d'abord et comprends que voilà où je suis. Et c'est carrément comme un ensorcellement. Mais un ensorcellement que toi-même, tu as participé. Comment ne pas rechuter? Vis ta vie pleinement. Beaucoup d'entre nous ne fait pas ce qu'on veut faire. Supposons, tu te fais sortir, tu vas manger au resto. Tu t'assures que ta maison est bien belle, bien arrangée. Tu t'assures que tu as un revenu qui est bien pour te permettre de bien vivre. Ce qui fait que quand tu regardes quelqu'un, tu ne t'accroches pas à la personne parce qu'il va te donner quelque chose d'abord. Donc, assure-toi que ta vie soit pleine, qu'elle soit comblée, qu'elle soit remplie. Tu veux manger, tu manges ce que tu veux. On se rapproche des gens parce que émotionnellement, ils nous font nous sentir bien. Mais quand tu as déjà fait de telle façon que toi, tu te fais te sentir bien déjà. Mélissa, je ne suis pas ton docteur. Va d'abord à l'école, à l'hôpital. Kiam, bonjour. Allô? Oui? Oui, oui. Non, c'est 70 000 francs le kit fondation. Ok. 70 000. Oui. Tu lui dis qu'elle doit aussi faire un lavage à distance, qu'elle n'oublie pas.
C'est, je crois que le lavage, c'est 50 000. Oui. Parce qu'elle hésitait beaucoup. Voilà. D'accord. Merci. Beaucoup de femmes et d'hommes. Croyez-moi, les hommes sont juste. Comment même vous dire cela? Les hommes ont des émotions aussi. Mais beaucoup de femmes se retrouvent dans des relations parce qu'elles ne sont pas financièrement indépendantes d'abord. Deuxièmement, elles ne, parfois aussi, elles ne se croient pas. Comment dire ça? They don't believe themselves. Elles ne pensent pas qu'elles puissent être en mesure de prendre soin d'elles. Le mot manque de confiance, c'est manque de confiance en soi. Tout le monde connaît ce mot-là. J'essaie de trouver des mots qui sont plus plausibles pour vous, plus compréhensibles. C'est facile de dire à une femme, aie confiance en toi. C'est facile de dire, crois en toi. Comment je crois en moi? Je dirais plus, prends soin de toi d'abord. Le mot égoïste est vu comme un mot négatif. Mais sois un peu égoïste, ma chérie. Si tu crois en toi, tu vas investir sur toi. Et on a ouvert Paul à Douala. Va chez Paul, seul. Tu t'assois, tu manges seul. Tu prends un bon menu que tu aurais commandé avec un gars, peut-être. Tu payes. Pas besoin de filmer pour mettre sur tes statuts. Ça commence par là. Ne montre à personne, t'as pas besoin de te montrer. Seul. Yann, que je suis une belle femme à épouser. Mon caractère et ma beauté sont des opposés. Et tu veux me voir parce que j'ai un beau visage? Je suis très dure, très stricte. Tu ne peux pas me supporter. J'aime être seule. Donc, ce qu'on va faire, villa à part. Tu as ta villa, j'ai ma part. Peut-être c'est de l'autre côté de la route, mais moi, j'ai ma part. Il y a des jours où je ne peux pas sentir quelqu'un à côté de moi. Juste mes employés. Vous venez, vous faites ce que vous avez à faire, vous partez, vous me laissez seule. Je vous ai même dit hier que je voulais être polyandre. On m'a dit qu'en Afrique du Sud, c'est possible. Donc, Yann, il faut aussi que tu acceptes que j'ai d'autres maris. C'est là qu'on va se gâter alors. C'est là que tu es sorti de l'histoire. La femme, hein, quand elle est spirituelle, elle aime s'étendre, elle aime grandir, elle aime prospérer. Pareil pour l'homme. Mais chez les hommes, c'est plus rare que chez les femmes. Elle aime s'étendre. Il n'y a le salut qu'en Jésus-Christ. Pas de problème, la diva. Jésus-Christ toi-même. Si tu es en train de m'insulter, je t'insulte aussi. Jésus toi-même. Jésus t'aime, la diva. Vous êtes en combat spirituel pour votre libération. La femme, si vous pouvez vous voir dans le spirituel, vous avez des guides qui ont la taille d'un immeuble.
Vous êtes costaude. Vous êtes grande. Et quand ta réalité, la petite femme que tu es physiquement, ne match pas, ne correspond pas à celle que tu es dans le spirituel, c'est douloureux. C'est comme ça que tu te retrouves avec des maladies. Hypertension. Mal d'estomac. Cancer. Ce sont les émotions d'impuissance accumulées dans ton corps. Perte de grossesse. Tu n'arrives pas à concevoir. Bonjour Tis. Beaucoup d'entre vous, vos guides sont énormes. Prendre confiance en soi, c'est accepter ses erreurs. J'ai fait des erreurs. C'est accepter d'écouter ses dons. Je peux avoir une idée, je la mets sur pied, je la commercialise et on achète. Je peux aider quelqu'un, je lui donne des prophéties. Et il me rémunère, il me donne de l'argent. Waouh! Beaucoup d'entre vous, vous jugez les personnes qui vivent de leurs dons. Et vous en avez, vous avez des dons. Et ça vous bloque. Pour restaurer sa confiance en soi, commence par les plus petites choses. Va acheter la brosse à dents que tu voulais. Aujourd'hui, prépare au menu ce que tu aimes. Même si tu vis avec 5 enfants. Prépare ce que tu veux. Mets 4 viandes dedans. Tu prépares un poulet, tu prends 3, 4 morceaux de, 5 morceaux de viande, tu mets dans ton plat. En fait, prépare 2 poulets à la maison. Tu prends un poulet, tu manges seul. L'autre poulet, tout le reste de la maison mange. Bonjour, bonjour. Tu vois comment les enfants vont vouloir venir. Maman, je veux manger aussi. Même vos enfants sont habitués à ce que vous leur donniez tout. Hein. Même vos enfants. Si vous saviez. Même vos enfants. Souvent, mes enfants voient, mais en tout cas, ils sont habitués. Ils me voient dans un restaurant quelque part sur mon statut. Ils ne parlent même plus. Ton mari voit, tu es parti faire ton soin de visage, ton massage. Ah, donc maintenant tu dépenses l'argent comme... Non, c'est pas ça. Pour trouver un guide, tu utilises celui que tu as. Tu utilises le guide que tu as jusqu'à ce que soit tu le laisses, tu prends une autre personne. Si tu fais d'abord la volonté de la famille, pourquoi? Elle dit comment avoir confiance en soi si on doit toujours faire la volonté de la famille? Est-ce que vous savez que l'enfant que vous avez accouché,
Vous étiez juste un canal par lequel l'enfant ne pouvait pas atterrir comme la pluie. On a besoin d'un ventre qui va porter. Billy, merci. Donc, tu étais un canal par lequel l'enfant est venu. Donc, tu ne lui dois rien à part lui donner le meilleur que tu peux. Maintenant, toi qui es l'enfant d'une famille, tu ne dois pas à ta famille. Comment vous aider si moi-même je n'ai pas? Pour te donner 100 000, il faut que pas d'abord chercher 100 000. Et si vous respectez mes pourcentages que j'avais donnés, je crois que dans ma répartition financière, 5% c'est ce que tu peux donner aux gens. 5%. Il y en a parmi vous, 40% de votre revenu, c'est les dons. Vous donnez aux gens. Famille, Ibo, telle personne attend ça de moi. 40%. Quand tu es prêt, tu viens acheter mes choses, Rosie. Il n'y a pas de problème. Moi, vous savez que je suis là, assise comme tout. Je suis pépère. Si vous achetez, c'est bien. Vous n'achetez pas, ça ne me dérange pas. C'est pour vous aider, non? Est-ce que quand vous achetez mes produits, c'est pour moi? Est-ce que tu as acheté un kit, tu as mis sur moi? N'est pas que tu achètes pour mettre sur toi. On livre en Guadeloupe. On poste de la France pour la Guadeloupe. Les produits sont en France. Le kit fondation et le thé maison hantée aux États-Unis. Je pense que ça va te faire dans les peut-être 280 plus 20 dollars. 280 plus 300 dollars. Ouais. Mon numéro est dans sur la page. Donc, si tu écris sur le numéro 237, oui, les produits sont en Belgique et en France. Et on poste ailleurs à partir de là. 237 693 50 22 66. Commencez par le kit fondation. Si vous n'avez pas l'argent d'un coup, payez en une fois, deux fois, trois fois. Vous avez souvent un syndrome de main baissée qui fait que dès que tu as l'argent, un problème sort pour l'argent là. Donc, vous comprenez un peu. Kit fondation. Blessing, je viens de te répondre. Il faut prendre le numéro pour écrire. Ils vont te répondre aussi. Je t'ai dit 300 dollars. Certains aussi, vous n'avez pas la force de volonté. Vous êtes faible d'esprit. Il y a certains téléphones que si tu voulais acheter, tu auras acheté le téléphone là. Oui. Tu reçois l'argent, tu mets de côté. Tu dis que ça, c'est pour le téléphone. Tu ne touches pas. N'importe quel problème arrive, tu dis, je ne touche pas. Je crois qu'on a des kits fondation à Washington. Donc, ça va peut-être prendre 4 jours maximum pour t'arriver. Tu veux commander, tu commandes, mamie. Pardon. Tu vas acheter quelque chose maintenant, tu demandes combien de jours? Après, tu vas demander encore quoi? Par le numéro, tu écris, tu demandes, non? Je n'en ai pas non plus. Et je me suis jamais senti aussi bien. Au Gabon, le kit fondation, c'est 100 000 francs CFA. Vous devez comprendre que quand tu veux acquérir quelque chose, peu importe ce que tu fais. Parce que regardez, je ne suis pas sur Instagram. Ma page Instagram a été piratée et fermée.
tu prends une décision, sache qu'il y a les gens qui observent. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des entités qui se lèvent chaque matin et qui sont envoyées vers vous, non? On doit bloquer Gigi là aujourd'hui. On voit que Gigi a prévu d'acheter le kit ici. Ok, on voit que Gigi a prévu de faire ça. Oh, Gigi. Dès que l'argent de Gigi arrive là, on est en train d'envoyer un problème vers Gigi pour prendre l'argent là. Il y a une femme qui avait reçu une fois le kit. Son mari, le jour où elle reçoit le kit, le lendemain, son mari amène son frère ou son neveu à la maison. Et le neveu là, ça empêcha la dame de faire le kit. Pourquoi te bloquer? Je crois que tu es encore un peu... Tu crois que tout le monde t'aime. Tu crois que, en fait... Quand tu es à un niveau spirituel, c'est parfois difficile de rentrer et expliquer le béaba. C'est pour ça que souvent je... Gigi, l'émoji des pleurs là, je ne veux pas ça chez moi. Hein. Tu mets ça ici là, encore je te bloque. Tu vas aller pleurer ailleurs, on ne pleure pas ici. Interdit de pleurer. Merci le guide. Si tu pleures, tu vas te suicider tôt. La vie, avant que tu ne comprennes que la vie vient avec les coups, on te teste jusqu'à ce qu'on voit que tu es une personne que tu ne, elle ne voit plus nos coups. On l'a frappé hier à 20h. Comment ça se fait qu'à 22h, elle soit en train de poster ses vidéos? Avant qu'on la frappait comme ça, elle faisait 6 mois avant de passer sur sa page, non? Son esprit a grandi. She grew. The girl grew. Le kit fondation, c'est pour les malédictions familiales. Tu es sous l'emprise de ta famille. Si tu veux déménager de votre famille, de votre maison, prends d'abord le kit fondation là. Oui. Bon, je vous ai annoncé tout ce que j'avais annoncé ce matin. Non? Au Bénin, ça va te faire avec l'envoi, ce sera 100 000 francs. Écoutez, l'estime de soi, c'est pas quelque chose que si je me vois comme Bill Gates ou comme Michelle Obama, c'est là que je vais me voir. La base, c'est d'abord que je me connaisse. C'est que je... Tu as déjà vu un enfant qui est dans un foyer équilibré avec des parents qui ont travaillé sur eux. Hein? Avec des parents qui ont travaillé sur eux. Et... Tu vois, l'enfant arrive chez toi. Tu lui dis, mange ça. Il dit, moi, je mange pas ça, tata. Gentiment, pas avec la tétutesse. Il se lève. Bonjour, tata. T'as bien dormi? Et bien, il s'apprête. Tu vois, un enfant qui est indépendant. Un enfant qui va te complimenter. Oh, tata, c'est beau. Oui, tata, je veux aussi ça. Regarde, tata. Un enfant qui est mature. Qui sait ce qu'il veut? Le genre d'enfant va te dire que bon, tata, voilà ce que je veux ça et ça et ça. Alors qu'il y a des adultes qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc, s'estimer, ça ne veut pas dire que je vais forcément aller loin en haut là-bas pour dire que non. C'est que
Et c'est un long chemin pour beaucoup d'entre nous. C'est que tu t'écoutes même d'abord à la base. Par exemple, tu restes comme ça, tu dis, je veux, qu'est-ce que j'ai envie de manger aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? C'est que tu comprennes que tu ne dépends pas de quelqu'un. Tous tes clients disent que, ah, tu dis, ok, partez alors. Le lendemain, d'autres clients viennent. Un homme te dit, oh, tu, si tu, sans moi, tu ne peux rien. Un homme ne peut pas t'accepter avec les trois enfants là. Hein? Tu pars 6 mois plus tard, financièrement, tu es à l'aise. Tu bosses, tu t'en sors. Parce que tu savais que tu pouvais t'en sortir. Tu te couches dans ton lit 3 places. Tu dors, tu tends les pieds comme ça, comme l'ange. Tu ouvres les ailes comme ça là. Tu dors paisiblement. Tu te lèves, tu ne stresses pas. Hé, hey, je n'ai pas de mari. Hé, hey, je n'ai pas. Hé, hey, je vais faire comment? Aide-moi, aide-moi. Je vais faire comment avec les enfants si. Hé. Hey. Même si tu n'as pas, tu es heureuse. Parce que tu sais que c'est en train d'arriver. Moi, j'aime les lits 3 places. Actuellement, dans mon logement, si la chambre n'est pas comme j'aime, j'aime les chambres vastes. J'ai des endroits où je suis allée là-bas dormir. J'ai mis mon lit au salon parce que je ne pouvais pas dormir dans la chambre. C'est trop petit. J'aime quand il me couche comme ça, je sens l'espace. I like space. Je tends mon lit comme ça là. Je sens de l'espace dans mes motifs. Like, I like space. Ça permet à ton esprit de penser. Le lit 3 places pour une personne, s'il vous plaît, pas pour 2 personnes. Une personne. Tu es découragé, c'est bien pour toi. Sachez que mes directs, énergétiquement, mes directs, c'est pas pour tout le monde. Il n'y a que les personnes qui sont déjà arrivées à un certain niveau qui vont pas venir dire que aide-moi, aide-moi, aide-moi. Personne ne m'aime. That is so past. That is so lasted. Come on. On doit t'aimer pourquoi? Je m'aime. La fille a chanté ça, non? I can buy myself flowers. Je peux m'acheter des fleurs. Je peux me faire sortir, je vais au cinéma. Je peux m'acheter autant de téléphones que je veux. Oui. Je peux m'acheter des chaussures si je veux. Je peux m'acheter le sac à main. Il y a des hommes avec qui tu sors. Oh, moi, je ne veux pas que tu portes ça. Porte plutôt ça. Je ne veux pas que tu fasses comme ça. J'aime quand tu as pas, je ne veux pas les longs cheveux parce qu'il ne veut pas torser l'argent pour acheter. Si tu veux mettre tes cheveux jusqu'au sol, mets tes cheveux, mamie. Mets-toi tes cheveux, mamie. La semaine prochaine, si tu veux enlever, tu enlèves, tu fais congo limon. Tu danses seul. Mon meilleur moment, c'est quand mes enfants sont en congé ou bien. Tu es seul à la maison. Tu dors. Tu t'écoutes, tu écoutes ton esprit. Et tu es seulement comme ça, tu peux même l'aménager encore et bien nettoyer. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Ce n'est pas parce que tu souffres que tout le monde souffre. Donc, parfois, vous entendez vivre certaines vies là, vous pensez que c'est tout le monde qui souffre. Aïe.
Aude, ne me dérange pas avec la formation spirituelle, tu as compris? Ne me dérange pas avec. Je suis en train de considérer vous rembourser. Je n'aime pas la pression de quelqu'un. J'ai voulu faire ça parce qu'il voulait vous faire plaisir. Donc maintenant là, je fonctionne avec mes guides. Je n'aime pas la pression. Quand Dieu me met là trop la pression là, je me suis rendu compte que quelqu'un doit les devoirs, vous ne faites même pas. Vous ne faites pas. Je dis qu'on a quoi à telle heure. Je lance le truc à l'heure là, vous n'êtes pas connecté. J'étais occupé, je faisais ça. I like to chill. Grâce, tu as le lit 3 placé. Yann, tu es amoureux de moi. J'attire beaucoup. Hein. J'ai une énergie très sexuelle. J'ai une énergie très sexuelle. Aude, si tu as payé la formation, je vous ai mis dans un groupe. J'espère que tu es dans ce groupe. J'attire, je ne sais pas, je ne peux pas faire autrement. Il y en a parmi vous, on vous a dit, oh, tu as l'esprit de la séduction de Jezebel. Non, I have to accept it. Les hommes mariés même, les femmes mariées même. Les hommes célibataires même, les femmes célibataires même. Ce n'est pas moi qui fais. Aimez-moi. Vous avez suivi, non? Trouvez-moi belle, merci. Je suis belle, je sais que je suis belle. Trouvez-moi belle, aimez-moi. C'est mon énergie. Yann, je suis ton goût. Si tu es financièrement beau, on peut dire que tu peux avoir 30% de chance d'être mon goût. Ouais. Cette attraction, c'est une puissance que beaucoup d'entre vous avez. Tu as vu une femme qui passe, les femmes la regardent et les hommes la regardent. Genre, la personne est belle à regarder en fait. Il y en a parmi vous, vous êtes comme ça, on vous a frustré. Ce qui fait que vous vous cachez même. Tu essaies de voir ce que ça donne. Tu viens jouer. Tu crois que je suis une influenceuse pauvre? Hey. Oh, il a tourné les reins. Laisse-moi ton numéro. Pardon, papa, passe seulement ton chemin. Pardon. Tu ne peux pas tenir mon rythme. Tu ne peux pas. Tu veux faire une offrande? Fais le Orange Money, non? Envoie pas Orange Money, mamie. C'est chez moi que tu vas donner. Envoie pas OM. Pour le kit, prenez le numéro. C'est dans ma bio normalement, mais je vous le redonne, ok? Plus 237. Plus 237. 693. 50. 22. 66. Donc, mon numéro se trouve ici. Voilà ma bio TikTok. Mon numéro ici, le lien là. Tu cliques dessus, ça t'amène dans WhatsApp. Oudi, 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 ding, 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 ding. Il y a la boîte de nuit dans ma tête. Il y a la boîte de nuit dans ma tête. Que singo. Ah, tu es parti faire tes courses, tu t'es offert des fleurs. Tu mets ça sur ton bureau, ça te plaît. Gloire, victoire. Tu m'envoies un message. Tu aimes mon énergie. Hein? Merci. Aimez-moi, moi-même, je vous aime. Je suis aimable. I love myself and I love people.
Papa, oh, waiting I don't do. You bless me. Le numéro Orange Money, prends le numéro pour envoyer l'offrande alors. Prenez de quoi noter. Et le numéro, c'est le nom, c'est Abbé Solo. Le groupe de formation, je pense que je vais vous mettre dans un groupe pour l'argent que vous avez payé et je vous donnerai de façon indépendante des informations. Oui. Des formations carrées, comme je voulais faire, ça ne donne plus. Donc, c'est 60 000 et 70 000. Niveau 1, c'est 60 000. Niveau 2, c'est 70 000. Donc, on va prendre ça comme un abonnement. Vous faites un abonnement. Mm-hmm. Donc, je vais donner le numéro. Vous avez déjà reçu, non? Et bénis vos offrandes. Souvent, les gens m'envoient même l'argent du jus. Je bois vos jus. Hein. Tanné, il met un peu de l'eau sur mon œil. I don't know why. En euros, c'est 100 euros et 110 euros. Je me suis depuis les USA. Il y a une amie aux USA qui m'a dit que sa voisine de palier me connaît. Elle vit à Bethesda, à Washington, je pense. Donc, et que l'autre jour, sa voisine de palier sort et lui dit, tu connais Ré Lumière? Et elle dit, mais attends, ça fait 2 ans qu'on vit côte à côte. Comment ça se fait que c'est aujourd'hui qu'elle me parle de toi? Et là, elle a commencé à rire, en fait. Le réseau dérange. Le numéro, c'est le 655-310750. Je peux aussi vous donner le numéro du code marchand. Voilà, le code marchand, c'est le suivant. 58-68-54, si tu es au Cameroun. Mon numéro de la Côte d'Ivoire, c'est le... Donc, j'ai donné le code marchand du Cameroun. Tu fais 10, 150, étoiles, 47, étoiles, 58, 68, 54. Et le nom qui va s'afficher, c'est le Gift Gear Academy. Voilà. Donc, maintenant, le numéro de la Côte d'Ivoire, c'est le 07, 79, 02, 52, 05. Yves Marina, comment ça va? Tu as fait ton anniversaire l'autre jour, tu ne m'as pas invité. L'argent est spirituel, l'argent est émotionnel. L'argent est spirituel et l'argent vient quand tu te sens bien. Parfois, tu restes comme ça, tu te sens que je dois acheter telle chose pour moi. Peut-être financièrement, je te dis que non, je peux pas, I cannot afford this. Mais quand tu le fais, tu vois que ça te fait te sentir bien. Et après, il te remplace ce que tu viens de dépenser. Voilà. I don't know why this thing is happening.
Je crois que je vais vous parler avec les yeux fermés. Voilà. Ça m'empêchera de regarder les commentaires. Donc, je finis ce que j'ai commencé. Voilà. Vous allez voir, votre pouvoir d'attraction va augmenter. Oui. Et vous aurez beaucoup plus de paix. Avant, je vois quelqu'un ici là que tu avais une émotion de colère qui faisait que tu recontactais ton ex. Et après, tu le contactes, tu ne peux pas, tu l'insultes, après tu raccroches. Donc là, tu vas, il y a cette émotion qui a disparu. Donc ça, c'est l'une de tes victoires de bataille spirituelle que tu as combattu récemment. Il y a aussi une autre personne que tu as commencé, tu vas commencer à investir sur toi. Avant, tu attendais que quelqu'un vienne t'acheter un produit ou t'acheter une formation ou t'acheter. Mais là, tu vas commencer à le faire toi-même. Mm-hmm. Et tu vas commencer à... Ok, je vois aussi quand tu vas commencer à le faire, je vois beaucoup de jalousie, genre pourquoi tu fais ça? Et des personnes même qui ne te donnaient rien vont venir pour te commencer à demander, tu crois que tu es qui? Tu te prends pour qui? Donc, tu auras des réactions négatives pour toi qui paraissent vraiment like, comment, pourquoi? C'est mon argent. Oui. Donc, affiche le moins ce que tu fais. Parce que ce sera des énergies non nécessaires. Tu n'as pas besoin de ces batailles-là. Et pour certains aussi, ça va réveiller certaines personnes qui te détestaient, qui pensaient que tu allais mal. Et quand ils vont commencer à voir que tu sors de ton trou, ça peut les réveiller. Donc, tu peux avoir des batailles physiques. Des personnes qui viennent t'attaquer physiquement. Qui veulent bagarrer avec toi. Qui te confrontent. Voilà, j'entends le mot confrontation directe. Oui. Peut-être tu as un tribunal qui arrive cette semaine. Tu peux peut-être avoir le fait que tu dois aller dans ce tribunal-là. Et tu dois vraiment sortir peut-être tes griffes. Et que la personne s'attendait à dominer sur toi. Mais là, tu te défends quoi. Voilà. Et tu commences aussi à être posé. Posé. O-K-L-M. Au calme. Beaucoup de personnes vont te laisser, vont partir. Mais ça ne t'affectera pas. Avant, je disais que ah, si je suis seule, tu avais peur d'être seule. Mais là, pas de peur. Tu es posée, tu es assise, tu es you see what I mean? Tu vas prendre soin de toi, tu vas chill. Je vois quelqu'un aussi qui va beaucoup se relaxer. Tu passais parfois beaucoup de temps avec ton ex ou bien le gars avec lequel tu étais. Parce que tu pensais que... Et en fait, ce temps que tu passais avec lui, tu pensais que c'est ça qui allait l'attacher sur place. Mais en fait, ça faisait l'effet inverse. Parfois, j'entends quelqu'un dire, oh, qu'est-ce que je dois te donner de plus? Que j'ai déjà tout fait. En fait, justement, c'est parce que tu en faisais trop. Donc là, je vois, moi, tu commences à lâcher prise. Ou bien tu ressens l'envie, le désir de lâcher prise. Tu es sur le bon chemin. Ils ne te lâcheront pas. Ils te parlaient quand tu étais dans cette relation-là. La nuit, on te parlait vers 5 heures. Maintenant que les circonstances se sont mises en place et que vous êtes séparés, ils ne t'abandonneront pas. Intègre ça dans ton esprit. Tu n'auras pas honte.
Il y a quelqu'un aussi ici, les paroles qui te faisaient mal avant ne peuvent plus te toucher. Tu vas commencer à être posée, forte. Avant, on te grondait seulement un peu, tu pleurais. Maintenant, là, c'est toi qui attaches le sanja. On va voir. Il y a aussi quelqu'un ici, là, que tu partais de relation en relation. Mais là, tu ne sens plus le besoin. Quelqu'un ici là va mettre des sources de revenus quotidiennes. Ton argent va commencer à entrer chaque jour. Il faut payer ta dîme. Tu dois avoir des principes que tu ne vas plus désobéir. N'oublie pas de payer ta dîme. Bon, nous avons terminé. Bon, bonne journée, non. Pour les lectures, le numéro est dans ma bio. Étude de cartes. 10 cartes et 20 000. Si vous avez lu et qu'on vous a, si vous avez payé, on ne vous a pas encore lu, vous écrivez aujourd'hui.